Salut tout le monde, épisode 16 de cette aventure de zéro sur Dofus Retro les gars. Et aujourd'hui on va tout simplement aller mettre en vente directement dès le début de cette aventure, enfin, dès le début de cet épisode. 4000 Kama, je sais pas ce qui s'est vendu mais je prends. D'ailleurs, lors du précédent épisode j'ai oublié de vous montrer mais j'avais pris quelques Kama également qui avaient été vendus en HDV. Alors je sais plus exactement encore une fois ce que c'était. En fait, je regarde pas trop ce que c'est, hein. Juste je récupère, c'est tout. Et en termes de pollen de blob, eh bien, on va pouvoir aller en mettre 100 en HDV. J'espère que ça va partir assez rapidement. Normalement, c'est pas mal de Kama, hein, si je me souviens bien. Autre chose également, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les poudres. Ça sert à rien de les laisser en HDV. Ça nous pourrit plutôt notre HDV qu'autre chose. Donc, on va tout simplement en laisser une seule. Et si jamais ben, ça se vend, on ira les remettre. Alors, les pollens sont à 26 000, donc 27 000 Kama quasiment. 26 995. J'ai fait une bêtise. Hop, hop, nickel. C'est parfait. Comme ça, au moins, on est bon. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre tout ça en banque, tout simplement. Hop, il manque vraiment pas beaucoup de pollens. Hein, donc, je pense que je vais continuer un petit peu à en farmer. En plus, regardez, je vais vous montrer, j'ai trouvé une nouvelle map. Regardez-moi cette map. Elle est pas trop belle, sans déconner. On est juste à côté des blocs. Je pense que c'est une très très bonne map. Je vais essayer de continuer de trouver des petites maps comme ça, à droite à gauche sur la zone. Et regardez notre banque, comment elle commence à se remplir en termes de blocs et tout. C'est plutôt intéressant. Faudrait que je regarde ce qui vaut le coup d'être vendu. Je sais pas. Ou peut-être le revendre en gros à des joueurs directement. Je ne sais pas non plus. Autre chose également que je voulais faire, c'est aller check le prix de la capote avec vous. Voir si elle a potentiellement baissé en prix ou pas. 90 000, 25, 13, 5. En vrai de vrai. Oh, 29, 14. Je prendrais pas une 29, 14 à 100 000. Allez hop, c'est fait. C'est acheté. C'est acté, mesdames, messieurs. Voilà, fallait pas me le demander trop longtemps. Donc je sais que je vous avais demandé pour la capo d'indo. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Même si on décide de repartir sur une capo d'indo, ce n'est pas perdu, d'accord? Cette cape pourra partir sur d'autres... Enfin, la capote que je viens d'acheter pourra partir sur les cras, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de souci. Hop! Est-ce que j'ai bien vidé? Ouais. C'est bon, du coup, on va vite fait stuffer... Enfin, vite fait. On va stuffer le yob, surtout. Et le yob, du coup, il lui manque deux levels. Dans deux levels, les gars, il est full stuff. Hein. Dans deux levels... Il peut équiper son amulette et là avec la nouvelle cape normalement on est full stuff. Il devrait plus y avoir de problème. Donc là on va pouvoir attaquer un prochain stuff. Le prochain stuff ce sera des Lénutrophes. Lénutrophes qu'on va stuffer tranquillement mais sûrement. Alors je sais pas si on stuff réellement Lénutrophes à 100% ou si on va juste lui prendre sa DD puisqu'il est level 60. Je pense qu'on va plus lui prendre sa DD pour dire d'avoir une deuxième DD mais après on attaquera sûrement un stuff d'un perso qui potentiellement sera, je vais pas dire plus intéressant, mais qui permettra de taper plus dans les combats. Je vais quand même linker ma petite capote, hop, dans la guilde, insérer le chat, bam. Oh là là, let's go, let's go, let's go. J'ai que 25 de sagesse. Ah oui, mais c'est parce qu'il me manque l'amulette. Ok, il manque l'amulette, c'est normal. Tout est normal, par contre 247, si je remets vite fait ça, on est à 218, boum. Là on commence à avoir un yob qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi il commence à me faire plaisir. Allez les amis, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais retaper un groupe de blobs, histoire d'avoir de nouveau 100 pollen de blobs à remettre en HDV, comme ça on en aura mis 200, et ensuite on va sûrement changer un petit peu. Alors comment je fais? Portrait, nickel. Allez, je vous reprends à la fin du combat. Ok les gars, du coup je vous retrouve. Regardez-moi ce nombre de pollen droppé, ça fait extrêmement plaisir et du coup, ça me permet... Oh, le téléphone, là, arrête. Je suis désolé si vous entendez les notifs. Du coup, je disais, eh bien, juste avec ça, eh bien, on va pouvoir aller remettre 100 pollen en HDV et je vais y aller tout de suite. Parce qu'en vrai, ça me coûte pas grand-chose d'y retourner rapidement. Et en plus de ça, ça me permet d'aller mettre ça et ça dans la banque pour le premier crash. Je me demande si j'irai pas vendre une agride. Alors je suis pas sûr que ça se vende honnêtement les agrides, puisque c'est assez facile à farmer. Je vous ai montré hein, la technique dans les épisodes précédents pour ceux qui l'ont pas vu. N'hésitez pas à revenir un petit peu en avant dans l'aventure. Mais du coup ouais, je pense que ça se vendra peut-être pas. Mais bon, pourquoi pas tenter le coup. De toute façon on n'a rien à perdre à part une petite taxe en vente.
C'est pas très très grave. Là, l'objectif, du coup, ça va être d'arrêter un petit peu les pollens. On va potentiellement changer de zone. On va même tenter des zones que je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Puisqu'on va aller au niveau de Pandala. Pandala R, je pense. On va tester, en tout cas. On va tester d'y aller. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que ça pourrait être sympa de redécouvrir la zone. Et de voir un petit peu si on est capable aussi de farmer cette zone ou pas. Ça aussi, c'est une vraie question. Là, je me dis que le Yop, normalement, il est censé nous carry un petit peu tous les combats. Et avec le boost des autres persos, slash le boost PO, surtout, des Kras, eh bien, on est capable de tabasser des mobs à distance. Et une fois qu'ils arrivent un peu trop près, de leur mettre une petite tartine dans la tronche avec le Yop. Donc, je me dis que potentiellement, c'est faisable. Mais voilà. En tout cas, c'est à tester. Moi, je pense qu'on va aller au niveau de Pandala R pour changer un petit peu de zone. Et puis, redécouvrir une zone qui nous a potentiellement... Alors, en tout cas, moi qui m'a bercé pendant mon enfance, peut-être que vous aussi. N'hésitez pas également d'ailleurs à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire quelle zone vous voudriez voir. Il y a Automail hein, que j'ai envie d'aller faire, mais le problème c'est qu'il nous faut absolument un paysan. Et j'ai pas de paysan disponible là. Oups, j'ai dit que j'allais la mettre en vente. J'ai pas de paysan dispo et donc je sais pas si on va réussir ou non à le faire dans cet épisode. Allez, moi je vous retrouve. Quoique non, on va d'abord les mettre ensemble. Atelier des forgerons. Hop. Mode de vente, la grid. On va la mettre à 2700. Voilà. Et on verra bien si ça part. Allez, maintenant je vous retrouve une fois qu'on arrive à Pandala, les gars. Très bien, les amis, du coup, je suis à Pandala R. Alors, je sais pas, il est tard. Je pense pas que j'aurai le temps de lancer un combat ce soir, mais c'est pas grave. Du coup, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Mais voilà, je voulais juste d'abord trouver une petite... map et je m'étais dit que ça pourrait être sympa aussi de se donner des petits objectifs. Potentiellement, ce qui serait cool de faire, ça serait de regarder à chaque fois dans les zones où on va ce qu'il y a de possible à dropper. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Il me suffit d'aller sur le site solomonk.fr. Voilà, on arrive ici, je vais dans le bestiaire par exemple et je vais prendre les pendules. Hop. Et voilà, et donc du coup, vous voyez, je peux voir, donc les sorts, on s'en fiche, les drops. Donc voilà, ici je peux voir un petit peu, et vous voyez qu'on a le chapeau à Quadala, on a l'alliance feu d'Ala qui peut être très intéressante, parchemin de costumage, ouais bon ça je sais pas, et je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pandicaz par exemple, on peut regarder les Pandicaz. Pandicaz, qu'est-ce qu'on a sur les Pandicaz? Poil, poil, bois, étoffe, ceinture à air d'Ala, vous voyez, clé de Pandicaz, pierre d'agate. Donc voilà, en fait il y a plein de trucs qui pourraient être potentiellement intéressants, par contre ça je sais pas pourquoi c'est point d'interrogation. J'ai l'impression qu'ils savent pas combien ce qu'il faut de drop, enfin de PP pour dropper, donc ça c'est un peu dommage parce que du coup c'est un peu compliqué pour moi de savoir si je peux ou pas le dropper, mais en tout cas ce qui pourrait être cool voilà, c'est de se donner des petites indications sur ce qu'on a envie de dropper et puis bah écoutez on farm, on farm, on farm et on essaie de voir si c'est droppable ou pas à notre échelle. Bref, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir là. Tout simplement, mais pour vous ce sera dans quelques secondes, et eh bien je vous reprendrai pour farmer Pandala R et essayer de dropper du coup bah, potentiellement au moins un item. Ça serait cool de dropper au moins un item, que ce soit l'alliance feu d'Ala, que ce soit la ceinture à air d'Ala ou je ne sais quoi, mais ce serait vraiment sympa d'avoir au moins un item avant de repartir de cette zone. Alors les gars, soit je suis fou, soit je comprends plus rien, je me reconnecte et je me retrouve à Astrub. Alors je me suis déconnecté. Vous avez été téléporté hors d'une zone alignée ennemie. Ah. Mais comment ça une zone alignée ennemie? Ah, je peux pas me déconnecter dans une zone qui est contrôlée. Mais c'est quoi ce bordel? À quel moment? Je comprends pas. Je comprends pas les mecs. Regardez le truc dans le chat. Vous avez été téléporté hors d'une zone alignée ennemie. Voilà, donc je me retrouve à Astrub, donc il faut que je refasse tout le chemin. Alors je m'étais déconnecté à Pandala. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vous laisse me dire en commentaire pour les experts là, parce que franchement je n'ai aucune idée. C'est pas grave, écoutez je retourne à Pandala en espérant que je puisse y accéder. Et puis bah, du coup on se retrouve une fois que je suis devant un groupe de mobs. Mais ouais j'avoue que ça m'a perturbé là, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais fait hacker au début. Et du coup j'ai regardé mes persos, j'ai vu que j'avais tous mes stuff et tout, je me suis dit mais non c'est pas possible. Et là j'ai juste de voir du coup le petit message dans le chat pendant que j'étais en train de lancer le record. Bref, ce que je vais faire du coup c'est que je retourne à Pandala et je vous reprends une fois qu'on a notre premier combat. Très bien les amis, du coup je vous retrouve, on est retourné à Pandala. Alors petite chose,
Je sais pas si je prends un gros groupe dès le début ou si je prends d'abord un petit groupe pour voir. Je pense qu'on va prendre un petit groupe. On va prendre celui-là, je pense. Ah, trop risqué. Je vais prendre celui-là, j'ai trop peur de prendre le gros. Et je sais pas si je gère en fait les mobs de la zone. Donc on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Objectif du farm, les gars, bah, ça va être tout simplement d'essayer de dropper un item. Comme je vous ai dit, donc pour moi c'était hier, pour vous c'était il y a pas si longtemps que ça, peut-être une trentaine de secondes, voire peut-être une minute. Mais dans l'idée, ouais, ce serait d'essayer de dropper un item, soit Feu Dala, Air Dala ou Aquadala, histoire de pouvoir se la péter un petit peu, quoi. Voilà, faire enfin du drop sur Dofus, rétro. Mais j'avoue que c'est un peu chaud. Merci BG. J'avoue que c'est un peu chaud de... Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé si le pollen était parti. Ça pourrait être sympa d'aller check ça. Ah ouais, ça peut être un bon truc ça. Je pense qu'après le combat, je vais envoyer le crâne regarder le pollen. S'il est parti ou pas. Mais ouais, ça pourrait être sympa de commencer à dropper un petit peu. Ok, 34, ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Hop, on va soigner d'abord Lenny. Et après, je vais aller soigner là-bas le Yop. Tranquillement. Ok, cool. Mais du coup, je vous garde avec moi pour ce premier combat. Et ensuite, j'enchaînerai. Et comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. On ira tabasse tout simplement les groupes. Et je vous prendrai à chaque fin de combat. Histoire de vous montrer si oui ou non, on drop. J'espère que ça va mieux se passer quand même que au gelé et... Et au gelé tout court, en vrai c'était vraiment les gelés la catastrophe. C'est vrai qu'au gelé on a quand même galéré à dropper. Alors c'est un peu dommage de... Bon tant pis, je vais juste booster la PO de celui-là. Tac. Bon les mobs ont pas l'air de taper trop fort, on a pris du 30. Je vais délock le Yop pour qu'il puisse tabasse tranquillement à distance avec sa tempête. Alors, on est d'accord, c'est pas lui le dernier. Parfait. Ok, je l'ai détruit. Oh, je l'ai détruit, le Yop est trop fort, j'adore. Alors, c'est qui? C'est le Pandy, je crois, qui attire. Hein. On va regarder. Ouais, c'est le Pandy. Faut que je commence à mémoriser un petit peu quel mob fait quoi. Comme ça, au moins, on sera tranquille. On pourra potentiellement s'attendre au tour. Qui ai-je envie d'éliminer? Moins 16%. Allez, on va le fumer, celui-là. Hein. On va le fumer. Tac, on va soigner, du coup, le Yop. Nickel. On va faire les challenges un maximum possible. En tout cas, voilà, à l'heure où je vous parle, c'est la journée où potentiellement il va y avoir deux vidéos sur la chaîne. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Je vous avoue que ça me fait un peu stress de sortir deux vidéos comme ça. Est-ce que ça va être bien vu, pas bien vu? Est-ce que potentiellement... Enfin, bien vu, pas bien vu. Est-ce que ça va être agréable ou pas? Est-ce que les gens vont aimer? Ça, j'avoue que je me pose la question. Oh là, on met des belles tartines aussi avec l'écran, hein, ça fait plaisir. Et donc ouais, donc je suis en mode full question là dans mon crâne. Les mobs ont pas beaucoup de points de vie, ça c'est cool. Alors ils ont pas beaucoup de points de vie pour le Yop. C'est vrai que pour les autres, bon, on tape pas très fort, mais le Yop il les défonce. Ça, ça fait plaisir. Il est où mon Yop? Il est là. J'aurais dû boost avant, c'est pas grave. Et en plus si on cumule les dégâts des crafts, franchement on est vraiment pas dégueu en termes de dégâts par tour. Ça, ça fait plaisir. Bon, l'Ossa, c'est pas fameux, mais bon, c'est pas non plus horrible. Hop. Je suis désolé, j'ai le nez bouché aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas resté dans le froid, mais bon. En plus, je mets une écharpe et tout, je fais gaffe. Faut croire que ça ne suffit pas. Donc, je suis désolé si je parle un peu du nez, les gars. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Moi déjà ça me gêne. Rien que moi ça me gêne, mais bon. C'est pas grave, si ce n'est que moi, on s'en fiche. Hop. Alors le Yop va pouvoir terminer. Ah c'est chiant, j'ai que... Pourquoi j'ai que 6 PA? Ralentissement, ça a été envoyé par qui? On sait pas. Ça doit être le pendule. Je crois que c'est le pendule qui a ralenti. Saloperie de pendule. Ok, on aura un challenge du coup réussi, c'est sûr. Hop, je farme Pandala. Ou tout du moins, on commence à farmer Pandala. Je vais soigner le Yop en même temps. Quel bonheur aussi de pouvoir cliquer droit là sur les sorts. Franchement, ça c'est une feature, ce que je kiffe. Ça nous permet d'aller tellement plus vite. Le retrait PM des cras, il va être super important, je pense, dans cette zone. Comme ça, moi, ça m'évitera d'avoir des mobs qui se barrent à l'autre bout de la terre. Hop, hop. Je sais pas s'il y a un intérêt à capturer. Je suis pas sûr que les captures se vendent. Boum, 159. Alors, qu'est-ce qu'on a eu?
Parchemin, des peaux de pandicaz, des poils, des pierres d'agate, du cuir noir. Bon, rien d'exceptionnel. Je vous reprends du coup. Je vais taper des gros groupes. Hein. Je pense qu'on peut largement faire les gros groupes. Juste regarder s'il n'y a pas des meilleures maps. Des maps un peu plus close. Je vais faire le tour avec le Yop. Et puis bah, du coup, je vous reprends pour le... Bon, voilà. Super. Map de gauche. Et je vous reprends du coup juste après, à la fin du combat. Allez, à toutes les gars. Ah non, je vais aller voir d'abord Astrup. C'est vrai que je devais aller check. Est-ce qu'on a vendu des trucs ou pas? Les pollens. On regarde ça ensemble et après je vous reprends du coup à la fin du combat. Hop, mode vente. Oh, mesdames, messieurs, je ne vois plus de pollens en vente. J'ai bien l'impression qu'ils sont partis. Du coup, on va pouvoir aller refarmer un peu de pollens. 31 000, let's go, je prends. On est d'accord qu'on a plus de pollens, hein. Ouais, non, on en a 8, ok. Oh, j'en ai 100 sur moi. Pourquoi j'en ai 100 sur moi? Ok, je vais les mettre en vente tout de suite. Ah, c'est dommage ça. Pourquoi je les avais pas mis en vente? Je suis bête ou quoi? C'est pas grave. On va les mettre tout de suite. Et du coup, dès que ça part, on ira refarmer des blocs pour en remettre en HDV. Allez, du coup, les gars, je vous reprends à la fin du prochain combat. Très bien, les amis. Du coup, je vous reprends pour ce deuxième combat. Alors, attention, petite chose à savoir sur cette zone, c'est les pandicaz. De l'autre côté, je l'avais pas vu, mais les pandicaz, ils tabassent quand même très très fort. Du coup, j'ai perdu deux persos. J'ai Lenny qui a failli mourir. Et vu qu'on est sur une map très close, bah les pandicaz ils viennent directement au corps à corps. Bref, voilà, c'est une petite information comme ça que je vous donne. Alors, est-ce qu'on drop quelque chose? Une clé des pandicaz, ok, mais rien d'autre. Oh, on drop de l'argent, intéressant. Ok, rien d'exceptionnel. Je continue, je me demande si on taperait pas les mosquitos. Les mosquitos là. Ok, bon, on verra ça après. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres maps. Voilà, ça c'est des maps que j'aime. Voilà, des bonnes maps corps à corps. Par contre, il faut que je fasse gaffe du coup aux pandicaz. Après, j'ai le sacré qui est pas mal. Et vous savez quoi, les gars? On va faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et que je voulais faire depuis très longtemps. Le Shamrak qui va passer level 5. Du coup, ça doit faire je ne sais combien d'épisodes que je vous en parle. Je vais faire un tour sur tous les persos, voir si j'ai pas des choses à monter à droite à gauche. Ça c'est quoi? Les nus. On a l'accès, la maladresse, enfin il y a plein de trucs en fait qui pourraient être intéressants. Le problème c'est que je suis pas sûr de devoir les monter, donc est-ce que je le monte ou pas? Bon, la maladresse on de... Non, j'ai monté la maladresse de masse. Oh, c'est pas possible, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. La maladresse on en aura forcément besoin à un moment donné, donc je vais la monter. Et bah du coup je fais un petit tour sur tous les persos et puis bah je vous reprends à la fin du prochain combat les gars. Allez, à toutes. Allez les gars, je vous retrouve, troisième combat terminé. En plus j'ai foiré le tchal comme un nullard. Vraiment, j'aurais clairement pu le terminer. Je l'ai foiré à la fin. Mais du coup pas de drop sur, sur ce combat. Par contre je prends de plus en plus cher, comme vous pouvez voir, tous mes persos. Alors j'ai envie de tester un truc avec vous dans les ensembles, si je fais ça. Personnaliser. Donc ça c'est l'ensemble feu. Hop, est-ce que je peux... Donc là on est d'accord. Voilà, en fait je peux regagner un peu de points de vie. Bon, c'est pas exceptionnel. Ma question est-ce que si j'enlève tout et que je remets mon ensemble, je gagne plus ou pas? Non. Non, ok. Mais par contre, ça peut être sympa du coup de créer un ensemble et de regagner quelques points de vie. Alors oui, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Du coup, je vais le faire sur tous les persos et puis bah, je vous retrouve à la fin du prochain combat, les gars. Allez, à toutes. Allez, les amis, je vous retrouve pour la fin du quatrième combat et je viens de penser à un truc. Grâce au message de guild, de poser un perco. Pourquoi est-ce que je passe pas un perco, les gars? On va profiter d'avoir une guild quand même, non? Alors, est-ce qu'on va dropper? Oh, on a une hache, on a une arme éthérée, pourquoi pas? Franchement, je prends, mais pas de drop particulier. Par contre, regardez, level 60 sur le Kra, ça fait plaisir. Hop, level 60 sur le deuxième Kra, ça aussi, ça fait plaisir. Level 55 sur le Sacrieur. Level 58 sur l'Ossa. L'Ossa qui d'ailleurs carry pas mal, hein. L'Ossa qui arrive vraiment bien. Ah bon? Il y a des mecs ici. Et level 58 sur Lenny Ripsa. Donc juste trop bien. Allez, du coup je vous retrouve après le prochain combat. Et je vais poser du coup un percepteur. Très bien, je vous retrouve pour la fin de ce cinquième combat. Alors je vous préviens, il y a eu un petit problème. J'ai eu, en fait j'étais parti. Oh, c'est quoi ça? Étoffe de pendule. Je sais pas si ça vaut cher, mais c'est joli. j'ai eu un petit souci en fait. J'ai déconnecté un personnage. Sauf que j'avais complètement zappé. Regardez. Et oui, j'ai dû reprendre le zap puisque j'ai tout simplement pas
En fait, j'ai été rebougé là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous avez été téléporté d'une zone alignée, blablabla. Donc en fait, c'est quand on est à Pandala qu'on se fait téléporter. Je savais pas. Voilà, je savais pas. Je pense qu'à mon avis, c'est parce que j'ai pas la quête de fête. N'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. Mais je pense que c'est juste que j'ai pas la quête de terminer. Donc voilà. Bon, bref, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retourne farmer, les gars. J'y vais avec le petit Yop en courant sur ma petite DD. Comment j'ai hâte d'avoir toutes les DD, les gars. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, une dragonnade. Et du coup, bah voilà. Je commence à taper également sur la map. Oh, il y a du monde. Je commence également à taper sur la map où on a notre très cher Perco. Donc ça va commencer à dropper, j'espère en tout cas. Mais on va tourner, on va pas juste rester sur cette map. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa de faire des combats sur cette map. Ce qui nous permettrait de générer un peu plus de Kama. Allez, je vous reprends. Prochain combat, les gars. Du coup, là, on en a fait 5. On arrive pour le 6ème. Allez les amis, du coup on se retrouve pour le 6ème combat terminé. Alors celui-là j'ai galéré de ouf parce que j'ai voulu faire le challenge. Mais je pense que ça en valait le coup. Donc level 61 sur le Lenutroph. Alors une étoffe de pendule, faudrait que je regarde si ça vaut quelque chose ça. Pierre d'agate, j'avoue que j'ai pas de check les prix en... Yes! Yes! Ah yes! Chapeau à Quadala mesdames messieurs. C'est qui a droppé là? Bah oui, bien sûr que c'est Tech YouTube, bien évidemment, mesdames, messieurs. Bien évidemment que c'est moi-même. Oh là 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 là. 17 sur 30, pas ouf. 15 sur 25, pas ouf. Par contre, 3 dos, yes. Ah, ça fait plaisir, les gars. Et de Oun. Let's go. Oh, je suis trop heureux, les gars. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir de dropper sur rétro, surtout après un combat comme ça où j'ai dû galérer. J'ai perdu tous mes persos. Regardez, tous mes persos sont morts juste parce que je voulais faire ce challenge. Le challenge de mort où il fallait pas que je bouge. 60%. Let's go. Mais quel bonheur, mesdames, messieurs. Allez, du coup, maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est qu'on va continuer, hein, tout simplement. On va continuer. On va continuer de faire quelques groupes. Mais franchement, ça fait tellement plaisir. Vous imaginez pas à quel point. Allez, hop, je fume les pandicazes là. Ils m'ont mal parlé juste avant. Je vais m'occuper d'eux. Je m'en fous de pas avoir de Vita. Je les fume. Allez, on se retrouve à la fin du combat, mesdames, messieurs. 7ème combat, mesdames, messieurs. Va-t-on dropper? Telle est la question. Je l'élimine. Ce serait beau quand même. Deux fois d'affilée, ça serait incroyable. Non, quand même pas. Là, j'abusais peut-être un petit peu sur le délire. Bon, en tout cas, par contre, je perds vraiment tous mes persos parce que le problème, c'est que j'ai plus de vie. Et je me soigne pas entre les combats. Résultat, il n'y a pas de quoi se... Enfin, je me fais juste défoncer, quoi. Oh, elle est pas mal, cette map, là. J'aime beaucoup. Allez, on va se prendre celui-là. Allez, je vous retrouve à la fin du combat, les gars. 8ème combat, mesdames, messieurs, c'est terminé. Cette map est juste trop bien, parce que... En fait, je bloque les mobs entre eux, et en plus de ça, j'ai juste besoin de leur RAL PM. C'est juste trop, trop cool. Ok, pour cette étoffe de pendule... Ok, je vais demander. Étoffe de pendule, ça vaut cher ou pas? J'ai la flemme de retourner à Astrum ou Bonta pour aller check. Mais j'aimerais bien savoir. Bon, allez, je vous reprends du coup à la fin du prochain combat. Là, on n'a pas droppé grand chose, mis à part l'étoffe. Si jamais ça vaut des kamas. Mais je suis pas sûr. Allez, on se retrouve du coup juste après. 9ème combat, mesdames, messieurs. Va-t-on dropper une étoffe de Pandicaz? C'est encore une nouvelle étoffe, ça. Ok. Ok, bah écoutez, on a droppé quand même quelque chose. J'ai pas réussi à faire le challenge. Je suis vraiment nul sur Pétulant, c'est pas possible. Je vous jure, j'ai un problème avec Pétulant. Je comprends pas. Mais bon. Allez, on continue les gars. On continue de dropper. Ok les amis, du coup on arrive au 10ème combat. Cette fois-ci, j'ai réussi à faire le challenge. On va voir ce qu'on va dropper. Hop. Alors, est-ce qu'on drop quelque chose? Oula. Déjà, ça me fait peur quand je vois des lignes vides. Non, rien du tout. Ok, on va continuer. Il nous reste un combat sur cette map et après je vais devoir changer. Très bien les amis, du coup je vais récolter le perco. Alors je pense qu'il n'y aura rien dessus parce que malheureusement en fait ça ripop pas. Regardez, il n'y a pas de groupe qui ripop, je sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de groupe, donc bah tant pis, on va récupérer. Ce sera pas grand chose mais voilà, tant pis. On aura quand même testé de placer un petit perco qui nous aura coûté du coup 1100 kama puisqu'il m'a coûté 1002 et là j'ai récupéré. Il y avait quelqu'un en combat sur la carte? Non. C'est pas possible. No way. Bon, c'est pas grave.
En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais rassembler tous les items sur le perso principal, pardon, donc sur le Kra. Et je vais aller mettre tout ça, bien évidemment, en HDV. On va regarder ce qu'on a farmé un petit peu. Et donc, bah écoutez, je vous reprends une fois que je suis devant l'HDV à Astrub. Très bien les amis, du coup je vous retrouve, on a une arme éthérée, une coiffe, pas mal de ressources. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, déjà on va regarder les recettes associées. Ouais, il faut les vendre par 1, vous voyez, ça se vend par 1, c'est vachement utile. Donc je vais essayer d'en mettre en HDV pour voir ce que ça va donner. Et on va voir si potentiellement on peut générer un peu de Kama. Plop BG, avec le oui. Par contre, un perso par team pour laisser de la place à tout le monde. Je te laisse me dire avec lequel je t'invite. C'était pas lui qui m'avait MP tout à l'heure? Si, c'est juste qu'il a pas vu le message. À mon avis, il était en farm. Mode vente, non, pas ça, pas ça. Étoffe. Étoffe de pandicase, ça vaut rien du tout. Étoffe de pendule, 4400. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Hop, on va mettre tout ça en HDV. Ah, on a vendu des choses. Il va falloir que j'aille regarder en banque. Et du coup, on va revendre l'arme éthérée. Je vais aussi essayer de vendre la coiffe. Enfin, regarder le prix de la coiffe. Si elle vaut quelque chose, je la revends. Si elle vaut rien, je la garde. Et je la brise, tout simplement. J'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé combien de kama elle nous a rapporté. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez. De toute façon, sur la vidéo, vous pouvez revenir en arrière. Mais du coup, j'ai juste pas regardé, ouais. C'est bête ça. Ça c'est dommage. Allez, je vais à l'HDV détailleur et je regarde le prix de la coiffe, pardon, à Quadala. Très bien, du coup elle se vend à 2800 Kama. Bon écoutez, on va essayer d'en vendre une, on verra bien si ça part. De toute manière, je pense pas qu'en la brisant on va gagner plus de Kama que ça. J'ai quitté l'HDV ressources comme un bébête alors que je voulais check les prix des poils de pendule, etc. par 10. Donc bah écoutez, on y retourne et je vous reprends une fois là-bas. Allez, du coup, je vous reprends. Donc, les pots de pandicase, 2499 les 10. Franchement, ça vaut le coup. On va les revendre. Ensuite, on avait quoi? Donc, les pots de pendule, 4100 les 10. C'est vraiment bien, mais on n'en a pas. Cuir noir, waouh. Les cuirs noirs, ça vaut extrêmement cher. Ça se vend par 1 ou pas? Ouais, ça pourrait potentiellement se vendre par 1. Donc, on va les mettre par 1 en espérant que ça parte. Sinon, bah tant pis, c'est pas grave. On les remettra par 10 plus tard. 250, on va les garder. 4300 les 10 poils de pendule, c'est vraiment bien. Franchement, session plutôt intéressante. Hein. Regardez, on est à 97 000 Kama là, en HDV. En réalité, on a mis 60 000 puisqu'il y a les 30 000 de la poudre de résu qui ne partent pas. Mais ouais, plutôt pas mal. Il faut que j'aille du coup au truc des mineurs. HDV ressources mineures pour pouvoir voir les pierres d'agate. J'espère que ça vaut cher aussi parce que franchement, ce serait une très très bonne session de farm. Allez, je vous retrouve du coup 3589 Kama les 10. Franchement, si ça part, c'est juste une très 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 bonne session. Ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir ma banque. On va regarder ce qu'on a généré parce que je sais qu'on a vendu des choses, mais je sais plus quoi. Je crois que c'est des pollens. Je crois qu'on avait remis 100 pollens. Ils sont déjà partis. Hop. Tac. Du coup, ce serait plutôt pas mal de voir si on n'irait pas retourner farmer quelques pollens, les gars. Histoire de remettre en HDV. De toute façon, là, notre objectif, c'est de générer des kamas, hein. Pour pouvoir s'acheter les DD. Ouais, c'est ça, c'est bien les pollens. Faudrait que je vide aussi ma banque. Là, j'ai plein de trucs à vider. Il faudrait que je le fasse. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Donc, des pollens. Je pense qu'on va partir farmer les pollens, les gars. Hop, tout ça, je remets en HDV. Bon, je peux garder les clés pour l'instant, mais c'est vrai que ça me... Ah oui, j'ai ça aussi. Bon. Oh, qu'est-ce que j'en fais? Bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper. On verra ça plus tard. Là, ce qu'on va aller faire, du coup, c'est qu'on va retourner tabasser du blop. Sauf que cette fois-ci, on va se mettre un petit perco histoire d'essayer de dropper un petit peu plus. En espérant, du coup, que ça fonctionne bien. Et bah voilà, du coup, je vous retrouve une fois qu'on est là-bas. Oh, un petit perco qui se fait attaquer. Ouais, je l'ai, c'est normal. Allez, je vous retrouve une fois là-bas, les gars. Ok, les gars, du coup, je vous retrouve. Premier combat au blop avec, bien évidemment, le percepteur et un challenge. Regardez-moi ça. Waouh. 3, 6, 9. Ils sont où là? Ils sont ici. 11, 14, 16, 18, 21 et 23. 23 avec le perco. 23 en un seul combat. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quand même pas mal. Alors je dis pas, il y a mieux quand on sera plus haut level, on pourra dropper bien plus de Kama, oui.
Mais là, pour l'instant, pour notre niveau, je trouve que c'est pas dégueu. Surtout que, de toute façon, on n'a pas trop le choix là. À part faire des kamas, on peut pas faire grand chose. Il nous faut absolument nos DD sur tous les persos pour pouvoir débloquer les situations. Il nous faut aussi les stuff sur tous les persos. Donc, voilà. Mis à part ce tabac qu'on développe, on n'a pas grand chose à faire. Donc, on le fait. Bon, écoutez, vous savez quoi, je vous garde hein, pour ce combat. On va pas s'embêter à couper alors que ça va être terminé dans 3 secondes. Hop. On vient ici, tac. Franchement là, double indigo, c'est vraiment le must. Est-ce que je tape un peu? Ah, 8 quand même. Franchement, 8 sur du 60%, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tac. Allez. Alors, combien? Combien 2, 4, 6, 7. 7 pollen sur ce petit combat. Allez, je vous retrouve à la fin du prochain. Allez, on se retrouve pour la fin du troisième combat. Troisième combat avec encore une fois un petit groupe. 2, 4, 6, 8, 9, 10 et 11. 11, franchement, le perco est rentable. Hein. Le perco est rentable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là tranquille. Je sais pas si je peux poser un autre perco. Alors attendez, on va essayer de trouver une autre map cac. Elle est pas mauvaise hein, cette map. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas une autre map cac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de poser un deuxième perco. Je sais pas si on peut faire ça. Hein. Je pense qu'on est limité quand même en termes de perco par zone. Mais si on peut faire ça, ça serait vachement cool. Faut que je teste. Ah, par contre, j'ai oublié de garder la position de mon premier perco. Bon, ok, je vous retrouve si je trouve une bonne map, les gars. Ok, les gars, je vous reprends, j'ai trouvé une deuxième map sympa. Alors, est-ce qu'on peut poser un perco, d'après vous? Percepteur, poser, oui. Ouais, un perco par zone, ça me paraissait logique, mais bon, j'ai préféré essayer quand même. Bah écoutez, du coup, je continue d'enchaîner les combats, je vous retrouve à la fin, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Là, ça va être chiant, il y a beaucoup de griottes, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, les gars, je vous retrouve à la fin du combat. Quatrième combat, mesdames, messieurs. Hop, je le termine avec un tchal qui était duel. Ouf, oh là 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 là. Quoi? Non, c'est pas possible. Non, 6, 12. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis choqué. 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 poudres en 4 minutes. Oh, ça c'est le genre de combat qui me fait plaisir. Et level 60 sur le panda, mesdames, messieurs. Il nous manque du coup full DD, mais franchement ça fait plaisir de dropper comme ça. Oh là là, la dinguerie. Attendez, il faut que je mette le yop de manière à ce qu'il puisse quand même fumer le blob indigo dès le début. Oh, je suis choqué là. 31 pollen de blob en un combat, c'est juste énorme. Allez les gars, on se retrouve à la fin. Ah bah, super. Le genre de challenge que j'adore. Allez, je vous retrouve du coup à la fin de ce combat. Ok les amis, cinquième petit combat. Est-ce qu'on va dropper? Alors bon, comme vous avez pu le voir hein, dès le début, on a été touché. Mais malgré ça, je trouve ça correct. Hein, 3, 6, 8, 10, 12, 14. On est à 17 pollen sur ce combat. Franchement, moi je trouve ça ultra intéressant. Il faudrait que je trouve d'autres maps cac. Je vais continuer de tourner dans la zone et après je vais retourner au perco pour voir, pour retaper des mobs sur la même map. C'est dur à voir des fois hein, si on est cac ou pas cac. Mais n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire si jamais vous connaissez des maps cac dans cette zone. Moi je prends. Ça m'intéresse énormément pour ma team. Alors bien évidemment quand on aura les cracks 90 ça nous intéressera beaucoup moins. Mais à l'heure actuelle ça nous intéresse toujours. Est-ce que je fais le cani 276? Allez, on va le faire. Je vous reprends à la fin du combat. Sixième combat, mesdames, messieurs. Il est un peu long, 9 minutes, mais j'ai réussi à faire le challenge sur 6. La map n'était pas exceptionnelle au final. Alors, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 26 pollen. Plutôt pas mal pour un combat. Bon, 9 minutes, par contre, c'était un peu long. La map n'est pas exceptionnelle parce que les mobs spawn là et ils s'enfuient juste au fond de la map. Donc au final ça revient à avoir une map distance. Je vais retourner sur la map du perco les gars. Moins 10, moins 54 c'est où? C'est là-bas. Écoutez, je retourne à la map du perco et puis on va fumer tous les mobs qu'il y a sur la map. Allez à toutes. Non les mecs c'est pas possible, j'ai pas de chance. Regardez les repops que j'ai sur la map du perco.
double cani, donc aucun blop. Cani, double blop. Cani, un blop, un serpentin. Sans déconner. Franchement, Dofus, pourquoi est-ce que vous me faites ça? Je comprends pas, là. Depuis le début de cette série, j'ai vraiment pas énormément de chance, hein. On va essayer de tuer celui-là en first. Tac, tac, tac. Bon, bah écoutez, je vous retrouve à la fin du combat, même si je pense pas qu'on va avoir grand-chose. Ok, les mecs, 7ème combat. Bon, alors, je le compte comme un combat, mais honnêtement, ça va pas être terrible. Ah oui, d'accord. Oui, non, là, de toute façon, économe, je pouvais pas le faire. Bref, c'était vraiment pas ouf. Allez, je vous reprends, je termine ces deux combats-là. Allez, on va commencer par le blob quand même. Je vous prends quand même pour le cani, histoire de vous montrer, mais bon, ça vaut pas grand-chose. Hein. Allez, à tout de suite. Allez les gars, 8ème donjon. 8ème donjon, 8ème combat, pardon. Ça y est, je deviens fou. Je deviens complètement dingo. Je vais essayer de soigner un peu tout le monde. Hop, hop. Hop, nickel. Est-ce qu'on pourrait le terminer tranquillement? Ça serait gentil. Ok, alors, est-ce qu'on va pouvoir dropper? Parce que là, j'ai quand même fait le challenge. Oui, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, c'est le perco qui veut pas dropper des pollens. Hein. Non, le perco, il a pas envie de m'aider, les gars. Le perco ne veut pas m'aider. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les canigrous, je vais pas vous enregistrer quoi que ce soit. Je vais juste dépop le groupe et je reviendrai sur la map un petit peu plus tard. Je vais retourner sur ma map CAC en haut là, qu'on avait tout à l'heure. Et je pense que je vais juste jongler entre ces deux maps. Hein. On va pas s'embêter plus que ça. Ça c'est pas cool par contre de me coller comme ça. Hop, j'ai pas de solution. Faudrait que je monte un T. Je pense que monter un T serait vraiment une bonne idée. Allez, du coup je vous retrouve à la fin les gars. 9ème combat terminé mesdames messieurs sur la map du perco. Ça a ripop donc ça fait plaisir. Je vais arrêter de compter les pollens, je vous montre juste. Voilà, il y en a pas mal hein, à chaque fois. C'est plutôt pas mal, en plus on va de plus en plus vite à faire les combats parce que je commence à être habitué à savoir qui je dois focus, etc. Il y a encore eu un ripop, ça fait plaisir. Franchement, ça ripop assez rapidement dans la zone. Je sais pas si il y a un timer par zone. Mais voilà, franchement, plutôt intéressant. Ça nous permettra d'aller vite. Malheureusement, là, on n'aura pas de challenge, pardon. Ça va être compliqué. Allez, je vous reprends du coup à la fin du combat, les gars. Pour le 10ème et dernier combat, je pense pas que je vais en faire plus. J'aime bien l'idée de faire 10 combats, après je change de zone, etc. Je trouve ça beaucoup plus fun. Et de toute façon, là, on aura largement assez de pollen pour en remettre 100 en HDV. Ok, les amis, 10ème combat. Va-t-on dropper beaucoup? Alors, j'ai discuté un petit peu avec la guilde et j'avoue que c'est pas bête de pouvoir capturer les gros groupes de blobs pour pouvoir les retaper en arène. Ça pourrait être une chose. Alors, 2, 4. Ok, on est pas mal encore une fois. C'est plutôt cool. J'avoue que j'y avais pas pensé. Alors qu'en réalité, bah, c'est juste logique. Hein. C'est juste logique, mais j'y avais pas pensé. Alors, je vais récupérer les pollens. Ouais, on est à 20 par perso. Donc, on est largement. On va être dans les 160. Il y a moyen que je continue un petit peu quand même. Tout va dépendre de. Hop. 17. Tout va dépendre de. Comment ça s'appelle là? Si ça part vite ou pas en HGV. Est-ce que je récupère directement le perco ou pas? J'hésite. En vrai, le perco, je vais le laisser. On va le blinder un petit peu, je pense. Hein. Je pense qu'on va le refaire monter parce que là, ça suffira pas. Mais du coup, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre déjà juste les pollens là en HDV pour générer un petit peu de Kama. C'est quand même 25 000 Kama l'essence. C'est pas négligeable. Tac, tac. Je vous retrouve du coup une fois qu'on arrive à l'HDV. Très bien, je suis arrivé à l'HDV. On va mettre du coup les pollens en vente. On en a 140. 25 989. Ça part. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Paf. Donc ça c'est bon. Le reste on verra. Je vais aller mettre un petit peu en banque. Et surtout regarder, est-ce qu'on a vendu des choses? Étoffe de fantôme, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ok, ça on prend hein. Clairement les gars, c'était par terre. Pourquoi est-ce que je le prendrais pas? Hop. 26 000 kamas, donc ouais, on en a bien vendu, ça fait plaisir. Ça, je vais aller regarder le prix, je sais pas si ça vaut quelque chose. On va mettre les pollens aussi dans la banque. Donc, étoffe de pendule et... Oh, bah, écoutez, je vais aller check ça en HDV, on va regarder ce que ça vaut. Moi, je l'ai trouvé par terre. Je récupère, mode de vente. 4000 kamas, unité, moi, je dis pas non. 4498. Bim, on met en HDV, ça c'est pas grand chose, on va le laisser en banque. Voilà comment se faire un peu de Kama les mecs, il suffit de ramasser ce qu'il y a par terre
et vous vous faites un petit peu de kamat. Tiens, ça aurait été sympa d'aller voir ça. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Mettez-moi des petits commentaires, un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de partager, ça me permet de gagner... Pas de gagner, pardon, c'est pas le terme. Ça me permet, pardon, de me faire connaître un peu plus. Bah si, gagner des abonnés, on peut le dire comme ça, oui. Mais voilà, bref. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.